Partagé de vous retrouver toutes les semaines du lundi au vendredi 17h50. Oui, ce n'est pas que pour votre plaisir que vous êtes là, c'est aussi pour le nôtre. Oui, parce que quand vous êtes de plus en plus nombreux, ben ça nous fait plaisir. Merci d'être autant fidèle à ce programme, merci d'être là à 17h50 et merci à Pani car c'est son retour sur nos antennes. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, à nos téléspectateurs. J'ai envie de souhaiter une bonne et heureuse année parce que c'est vrai que c'est la première de l'année pour Pani. Et on va commencer par quelque chose de très simple qui révèle en fait notre état d'esprit. A negative mind will never give you a positive spirit. Chaque jour, donnez la meilleure version de vous parce que vous êtes unique. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. On est là. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, elle sera avec nous pendant deux semaines. Bonsoir Joe. Hello. En fait, je réfléchis déjà à ce que Pani disait. Non, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure version de moi. Je dois l'avoir laissé quelque part, la meilleure version de moi. Non, mais tu as l'habitude de retrouver la meilleure version de toi tous les jours, chaque seconde d'ailleurs. D'accord, ok. Hello. Hey, bon début de semaine et bienvenue. Voilà. Bienvenue Joe. Merci. Mais comment on peut faire pour toujours avoir avec soi la meilleure version de soi? C'est ça. C'est un combat qui est permanent. Qui est... Parce que quand tu as ton iPhone, tu regardes juste la mise à jour. C'est pas et on te encore, dit, là, il a recommencé. Là, voilà. Bonsoir, Kalagan, il est impatient depuis que tu bavardes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pani, has nicht willkommen, also. C'est-à-dire, sois la bienvenue. Non, mais t'inquiète, j'avais entendu willkommen et je me suis dit, bon, Ya. Voilà, je suis très content. Hein, parce que mon plus meilleur endroit où je me sens le mieux, c'est ici. Je suis à l'aise, quoi. Je suis très à l'aise. Je dis à maman, est-ce que tu as besoin de supplier les gens que merci de regarder ces programmes, ne regardez pas. Est-ce que vous regardez parce que vous voulez nous donner le lait? Vous regardez parce que ça vous plaît? Quand c'est pas bon, vous appelez. Non, mais c'est je suis pas en train de supplier, je suis en train de dire merci. Ah, ok. Ok, voilà. Si c'est pas bon, vous zappez. Merci de quoi? Ça ne vous plaît pas. C'est vrai, ce lundi, qu'est-ce qu'il a réellement? Non, maman, ce n'est pas ça. Tu lui as donné une... Non, ce n'est pas ça. C'est que bon, de façon naturelle, c'est comme ça. Quand personne ne regarde rien pour te faire plaisir, hein. Oui. Souvent, c'est quand c'est bon qu'on regarde. D'accord. Parce que bon, je pense que comme on regarde, ça veut dire que bon. Bonjour, bon. C'est dire que le bien est bien. Bon, bonsoir à toute la population du Cameroun. Bonsoir à toute la population de Consamba. Quartier 10 particulier. Quartier 6, c'est d'où, ce que là où je suis né. Ah, quartier 6, hein. Oui, 6-10. Oui. Non, c'est limite. Comme ça, il y a l'eau qui traverse. Après l'eau, dès que tu traverses ici pour jouer au ballon, tu es au 6. Si tu reviens comme ça, tu es au 10. Mais 7 et 8 sont où? 7 et 8, c'est vers le foyer. Hey. C'est bien le foyer. Vous l'avez vu, il y a un numéro au bas de l'écran. C'est pour que vous puissiez envoyer vos vidéos WhatsApp, vos souhaits. Un jour, nous on causait entre nous, les gars d'un con. L'autre vient s'introduire tellement que les commentaires sont sucrés. Il dit qu'il est aussi un gars d'un con. On lui dit, mais tu es de quel quartier? Il dit, quartier 12. On a dit, traverse. Il n'y a pas quartier 12. Il n'y a pas quartier 12. On a dit, traverse, tu n'es pas d'un con. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que Nyom que de yuha se moudze que toi bon nombre la kak. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un village est tout petit que le soleil refuse de briller là-bas. Tu vois un peu. Oui. Aussi soleil petit qu'un village peut être, le soleil va toujours rayonner là-bas. Voilà. Le soleil ne peut pas oublier un village parce qu'il est petit. Bon, explique, que nous, je ne brille pas.
voyez maintenant. Explique. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer les gens là? Est-ce que c'est difficile à expliquer? Non, non, explique parce que. Mais celui qui n'a pas les oreilles à entendre, il est avec moi pour comprendre. Ah, explique. C'est-à-dire, oui. Quel que soit le petit niveau que tu as, oui. Tu es toujours indispensable. Tu as toujours un niveau où on a toujours besoin de toi. Mm-hmm. Tu vois un peu, non, maman? Oui. Donc, pour résumer maintenant à la vie simple, c'est quoi? C'est que parfois tu vois que quand il se sous-estime lui-même, que ah, c'est sûr que comme je suis comme ça, je ne peux pas être un jour à ce niveau, je ne peux jamais être comme ça. Tu sais, hein? Je prends tout l'exemple un peu sur moi, c'est pas pour me taguer. C'est pas la jactance. C'est une façon de promouvoir certains qui nous regardent en ce moment pour qu'ils comprennent comment on a aussi fait hier. Oui. C'est-à-dire, hier, tu connais comment on a commencé. Oui. Un peu de bar, un peu de discothèque, on disait que bon, ça c'est le fou. Après un moment, on évolue. Après, tu connais. Paix à son âme, feu Tom Yoms. Paix à son âme, le maman Dinali, tout ça. Quand on a repéré, le repérage, on a dit le petit là peut être intéressant. Joyce, essaye un peu de voir. Maintenant, je suis venu, j'ai commencé là petit à petit. On dit, hey, le gars là, il vient à la radio. Hein. Le gars qui était dans la rue là, ça a commencé toujours comme ça. Et quand la radio commence, sa buste déjà, c'est faux. Futurine, figurine, la tempête sur la cité, quelqu'un commence à dire, tu as fait comment? Est-ce que c'est simple? Tu ne connais personne subitement, tu es là, au niveau là, tu as même fait comment? Moi aussi, je me posais la question, j'ai même fait comment? J'ai dit naturellement, j'ai aimé ce que je faisais, je suis allé au fur et à mesure, voilà, je me suis retrouvé. La meilleure version de toi. Et, voilà. J'essaie juste de donner le meilleur de moi et je suis où je suis. Donc la leçon. Donc la leçon est simple, ne simplifie pas. Donnez-vous. Si quelqu'un te simplifie, ne te simplifie pas. Voilà. Sache que tu as une valeur. Si tu es né, tu as une valeur. Et il faut juste suivre le chemin. À partir du moment où tu es né, Dieu n'a fait naître personne pour être un idiot. Chaque personne a quelque chose en lui. Eh oui. Qui sommeille en lui. C'est ça. Qui peut merci. Qui te permet d'être grand. Tunjou l'est. On a compris. C'est clair. Tunjou. Tunjou, non. Tunjou. Tunjou, voilà. Ah, c'est bien les cours. Mais après, c'est comment on fait les cours. Oh là là. Chez les Bangladais, on dit souvent que Agnès A, que Sundu. Que quand ça va finir, ça vient doucement. Ça ne vient pas vite. Ça vient. Est-ce qu'on peut dire bonsoir à DJ Tom? Il a un t-shirt de tous les rythmes de ce pays-là. Je vois Bikuti, Mamoussa, temps salé. Ah ouais. Je passe ma vie dans les avions. Je t'aime. Fais-moi câlin. Fais-moi câlin. Fais-moi bisous. Fais-moi câlin. On l'appelle DJ Eto. Merci DJ Eto. C'est-à-dire que le morceau qui me tuait là-bas, c'est fais-moi câlin, ouais. Fais-moi bisou. Ça me rappelle hein, quand j'avais encore un peu de chic au pied. Un peu de chic? Dans les pieds, non? Pourquoi tu me jamais? J'étais encore bien gaou. Donc, gaou? Maman, tu ne vois pas comment on dit challenge 2009.
challenge 2019, mais oui. Celui qu'on regarde la photo de 2009, il y a ceux qui sont méconnaissables. Maintenant, quand on regarde 2019, il dit qu'au moment-là, moi-même, je sentais... Mais ceux qui sont méconnaissables disent qu'à l'époque, les téléphones étaient pas Android. Hein? C'est son problème. Aussi. C'est son problème. Ça dit qu'au moment-là, c'était en 96. Oui, mais tu vas nous raconter ça. Non, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut passer à la page pub et revenir? On n'a pas le choix. En l'instant, tu nous racontes, t'inquiète. Hein? D'accord. Et les auditeurs? C'était téléspectateur. Et les téléspectateurs et les auditeurs. Tu vas écrire sur la page. Ah bon? Oui. Ça va. Allons dans la pub. Février 1976, l'hymne national du Cameroun retentit dans le ciel de Ouagadougou. Voici mon étalon que j'ai gagné en 1976. 42 ans plus tard, le Cameroun attend toujours un deuxième étalon d'or de Yenanga. Et la colonne de cinéastes de Ouagadougou attend toujours la statue de Dikongé Pipa. Il faut soutenir ce projet pour que ma statue soit à Ouagadougou. Sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, mobilisons-nous pour implanter et inaugurer le monument de Dikongé Pipa à Ouagadougou à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO 2019. Contribution Orange Money, Jazz, 150, étoile 4, étoile 7, étoile 164-147, étoile montant, étoile code secret, jazz. Ou tout simplement sur www.dikongepipa.com. Dimanche 27 janvier, pour aller à la conquête du Grand Prix d'Amérique. Jouez en masse commune pour gagner la méga tirelire de 1,3 milliard de francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. On est droit, on est là, voilà, en place. Merci Singila. On va s'arrêter maintenant pour l'actu, mais avant, j'aimerais quand même vous dire qu'on a encore un thème, oui, comme d'habitude. Hein? À force d'abréger les mots, votre vocabulaire et votre grammaire se sont-ils affaiblis? On va en parler tout de suite, aujourd'hui, en tout cas. Mais vous pouvez déjà poster votre avis sur notre page Facebook. Donnez votre avis, dites-nous. Hein? Et notre page Facebook, c'est à votre Voilà, vous l'avez compris, c'est l'actu. Là maintenant, on va commencer avec cette nouvelle triste. On l'a dit depuis le 17 janvier, Georges Guichard, le fils de Marthe Zambo, n'est plus. Le programme des obsèques est déjà disponible. Levée de corps donc vendredi, oui, 25 janvier, à l'hôpital Jameau, c'est à Yaoundé. Et puis départ direct pour Tchangé par Ebolova. Et puis veillée. Samedi, donc enterrement, on doit dire que c'est de suite d'une longue maladie. C'est vraiment dommage de perdre encore un artiste parce qu'on en a perdu, mais on sait, hein, cette année, en tout cas depuis l'année dernière. Et voilà quoi, toujours auprès de sa maman, il était Georges Guichard et il laisse 3 enfants. Voilà, il est décédé aussi depuis le mois de juillet, c'est un Camerounais, Loïc Kamchouan, Camerounais, a été battu à mort par une... Est-ce qu'on peut baisser la musique s'il vous plaît? On peut arrêter. Alors, il est décédé depuis le mois de juillet, Loïc Kamchouan, Camerounais, vous avez donc son image là, en France. Il a été battu à mort par une bande de jeunes au centre de Paris. La bande serait... celle, on utilise le conditionnel parce qu'on n'a pas toutes ces informations, serait celle des amis de MHD que tout le monde connaît, ce chanteur, celui le précurseur donc de l'afro-trap, donc qui est accusé de meurtre. Et on n'a pas encore la preuve en tout cas de sa présence exacte sur les lieux du drame. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une bande de... parmi eux, dans la bande, il y avait certains de ses amis. Et puis il y avait sa voiture également qui a été présente pendant cette grande agression. On doit dire que c'est une agression assez choquante et on comprend pourquoi sur la toile, ça gronde, ça grince, ça insulte et ça va.
Donc ça va être très 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 dur pour lui, mais surtout c'est dur depuis le mois de juillet pour la famille de Loïc, voilà, qui a subi cette grosse agression. On s'est attaqué même à des parties de son corps, ce qu'on ne comprend pas toujours. C'est vraiment c'est horrible. C'est vraiment horrible. En tout cas, après enquête, il est devant les tribunaux, il est accusé de meurtre volontaire, on verra. Donc pour la suite, on va suivre cette affaire. Et puis une bonne nouvelle cette fois, Valérie Ayena, oui, le mannequin professionnel camerounais, oui, celle qui était donc à l'agence MMG Models à Dubaï, oui, elle a signé avec une nouvelle agence et cette fois-ci à Paris. Ah, on est trop contente pour elle. L'agence s'appelle City Models, voilà. Hein, notre Ayena. Parce que le poster là m'a un peu surpris. C'est un modèle. Tu sais pas ce que c'est un top modèle. Je comprends. Ça fait des posters avec les tenues. Fait semblant de retirer. Oui, c'est un semblant. C'est une pose. C'est une pose. Oui. Non, ça c'est bien. Voilà. J'aime bien faire des photos comme ça. Non, non, pas pour moi. Voilà. Alors, le nouveau Martin Ungalet va sortir le 7 février prochain. L'album s'appelle Nouvelle Dimension. Et il va le présenter à la Chaumière le 7. Il y aura donc à cette soirée-là une conférence de presse, un showcase et naturellement des dédicaces hein, pour tous ceux qui seront là. Ça va être un grand moment pour cet artiste et on sait depuis un bout, il est en train de s'investir dans la musique assez, beaucoup plus même en studio qu'en lead. Hein. On le voit beaucoup en studio, auteur-compositeur pour d'autres artistes. Voilà donc. C'est le frère à Benji. Oui, c'est le frère à Benji et... Manteke. Oui. Et Claudia Dicosso. Claudia Dicosso, voilà. J'étais avec Benji au day. On était ensemble. Ah bon, hein. Oui, oui, on était à Bamina. Et puis Dabot Family et le Simurka, c'est un syndicat, je pense, hein, des musiciens. Sinamurka. Organise donc Dabot Session, hip-hop, R&B, c'est donc détection de talent, formation, masterclass. Les auditions sont prévues donc le 26 janvier aux ateliers 4 à la nouvelle route Bastos. Il faut vous y rendre, il faut y aller. Faites tout pour vous inscrire et voilà, donc ce serait bien, c'est une belle expérience pour les artistes. Il y aura une compétition, on dirait. Oui, en fait, il y a une sélection et les meilleurs, en fait, feront partie d'une compilation musicale. En précisant, bien sûr, que Ndabo de Famille est présent sur Facebook. Et il faudrait, en fait, passer par la page Facebook pour pouvoir passer par la page Facebook pour vous inscrire, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, Lady Ponce, c'est la sortie de son clip. On a parlé du titre, déjà, Fidélité Camère. Oh. Maintenant, c'est le clip. Il y a des femmes qui s'insurgent un peu contre le texte. On va en parler. On regarde d'abord, on partage. Je sais qu'il m'aime, Manano. Mais vos promesses à Boma me font peur. Je sais qu'il m'aime, Manano. Assommé, n'assomme quoi, Bakar, Manan. Adèle, je veux que tu sois la mère de mes enfants. J'ai validé. Adèle, je veux que tu sois ma femme. J'ai validé. Il y en a barre, sois sommeillé. Il m'a dit, oh, Adèle, je te promets amour et fidélité. Alors, dans le texte, notre Lady Ponce, c'est les dires d'une femme hein, qui dit à son amoureux ou à son fiancé que oui, d'accord, tu m'aimes, tu veux m'épouser, tu dis que tu seras fidèle, mais moi, je te demande pas la fidélité, je te demande juste l'amour et le respect. Et donc, il y a des femmes qui s'insurgent contre cette propension à accepter la fidélité. Mais mesdames... C'est presque accepté aussi, là. Quand on va dans la rue, on pose des questions, on a fait des sujets ici. Voilà. Les femmes sont sûres que ça n'existe pas, les hommes fidèles. Voilà. Mesdames, donc le clamer peut-être haut et fort, c'est pas si. Voilà, donc mesdames, nous sommes désolés, c'est comme ça, c'est la nature, c'est la loi de la nature. Tu sais ce qui est bien aussi, c'est qu'en évoluant,
à un moment, ça risque d'être à l'envers. C'est-à-dire qu'il y aura aussi la période où les femmes vont demander aux hommes. Ça ne fait rien. Je dis juste en passant. Tu fais ça, parce qu'à force d'être infidèle, ça devient normal. Parce que quand tu fais quelque chose, tu te. Le mariage, c'est comme ça. Va un peu imiter. Bon, je dis juste que ce jeu-là n'est pas souvent très bon parce que quand il est à l'envers, oui, c'est très dommage. Tu as vu les clips, non, maman? Tu as vu comme Lady Ponce est couchée. Elle dit bonne année, mon cœur. Tu vois le blanc, tu vois le vêtement, tu vois d'abord l'entourage, tu vois le beau lit. Oui. Ça te donne le sommeil. Ça te donne l'envie de te coucher près d'une femme comme ça. Tu vois la c'est propreté. C'est pas possible. T'as dit que non. Elle est mariée là. On parle du message. Fidélité caméra. Je ne l'ai pas dit pour moi. J'ai dit que quand elle fait ça, c'est pour que les autres imitent le bon exemple. Ah bon hein? Donc tu passes ce message à madame. D'accord, alors, oui. En fait, donc il faudrait je être. Dis, tout le monde, tous les autres, dans le monde entier. Madame, on se couche comme Lady Ponce dans ce lit. Avec un cadre génial. Génial. Avec les bons vêtements blancs. Voilà, blancs et tout. Donc vêtements blancs, il a dit. Avec les femmes bien épilées. Parce qu'il y a les femmes qui comme ça. Mais Kalaga, Si je suis avec toi, j'aurais des problèmes quand même. Si c'était l'incoum-coum qu'on a. On est en train de. Kalagan, si c'est moi qui suis avec toi, j'aurais des problèmes là. À quel niveau de. Comment des problèmes? Mais parce qu'il est en train de dire qu'en fait, la personne qui est avec lui peut-être ne fait pas ça ou quoi? Parce non! Je suis en train de généraliser, je suis toujours la voix des sans voix. Je ne comprends pas là. Quand on connaît Kalagan, on la voix des sans voix. Il parle pas dans le vide, d'accord, c'est noté. Tu sais, maman. On a compris. Attends, t'explique. Non, n'explique pas. Si vous regardez, écoutez Kalagan, madame, s'il vous plaît, il aime les vêtements blancs. Soyez toujours jolie, les vêtements blancs, bien, machin, bien épilé, c'est très important. Bien épilé, il a insisté. Une chambre bien aérée, c'est important. D'accord. On a oublié. Chanson. Ah, elle n'est pas chanteuse. Oui, bon, tu mets le CD. Tu mets le CD. Voilà. Super. Voilà. Mais c'est dit, hein. Mais merci Lady Ponce, hein. Voilà. Parce que là, ils auront des problèmes avec leur dame à la maison. Ah, là, ça. Voilà, non, c'est clair. Alors, le coup de cœur de cette semaine, c'est le même que la semaine dernière. Parce qu'on a dit qu'exceptionnellement, vraiment, on est très ravis de ce retour de notre cher Sally Dion. Il revient avec. Je ne parle qu'au manger. Longela Kunkuma. Ah. Nabi mama de mama you my daddy. Mila ya ye paki na pesa e balondi no e nabo. De lo motela matongo, matinde mahabona yo. Be bojo bandi ibe u ye na imbapo. Kama bube mundenge, mwalo soko loko tete ni kambi. Tona le no hupu, mwalo tempele wamene. Bukamba bupe mini dumbu masele keke mi bembole bolo kwa manjongi otete na midi misangi Masawe, ye mwake sepso, nade gogo Nama bupe mundenge mwapu kwa kema otete na kata Tona nyeno moduta duta yutempele wamene Bukamba bupe basila ne longela mkukuma Longela mkukuma leko biadi tete On l'appelle Sally Dion. J'aime beaucoup ta manière de faire, maman Jocelyne. Quelle manière? Parce que chaque fois que tu essaies de promouvoir certaines chansons, ça donne toujours de l'inspiration et de l'espoir. Parce que quand je regarde un Sally Dion qui revient encore aujourd'hui à force, je me rappelle toute mon enfance quand on était tout petit et aujourd'hui qu'il soit encore sur la scène et qu'il refasse des choses comme ça, tu vois un peu. Oui. Je comprends qu'un homme peut se rattraper à tout moment. Merci beaucoup, Kalagan. Tu n'avais rien avant. Kalagan, la meilleure version de la musique. On va passer au flashback de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts. On y va? Oui. Qui n'était pas là la semaine dernière? Moi, j'étais pas là. Bon, on regarde. Hein. Moi, monsieur. Il faut répondre quoi? Non, c'est mon père. Bonsoir, Noël. Bonsoir, Tata. On est là. Mais Kalagan sait que je suis le plus beau. Alors, à partir du moment, quand une femme aime un homme, elle va quitter.
sa culture, sa tradition, son patois. Elle a appelé, elle m'a dit que son fils ne fréquente pas. J'ai dit comment? Elle m'a dit le gouvernement n'a pas prévu d'école pour eux. Ah ouais. Je lui ai dit ok, compte sur moi. Je vais écrire un film, le gouvernement va écrire où les ONG vont s'intéresser à vos enfants. Ils auront des écoles. Donc ça veut dire il y a le talent, il y a l'humilité. L'humilité, c'est souvent rendez-vous quand je vois qu'un artiste est à l'étape zéro. Parce que je ne veux pas travailler avec des stars et après, ouais, ça devient un conflit. Mm-hmm. C'est notre passage au Zénith. Avec Manu. Et le fait d'être nominé au Kora aussi. Tu peux faire un son, tu fais un clip, tu fais la promo, tu payes pour tout ça, tu voyages, il y a un des doigts là, tout ça. Et le son ne marche pas comme prévu. Ça veut dire les retombées, ça ne vient pas forcément. Tu peux faire, tu essaies avec le premier clip. J'ai fait un effort pour ne plus appeler Mboutoukou ceux qui ne sont pas catholiques. Donc voilà, il y avait bien ça. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Dans la Bible aussi, on a dit qu'on ne juge pas, non? Sauf si je n'ai pas bien lu. Alors attends, Matthieu 7, 1, ne jugez pas. Hein. Oui, oui, oui. Et dans Jean 7, 24, il dit juger son injuste jugement. Moni Bilet. Oui, Moni Bilet. Non, lui, il s'appelait Moni Bilet. Et moi, c'était Dinabé. Et c'était Dinabé. Donc. C'est un proverbe fort. Hein. C'est-à-dire le vrai mal. Pourquoi vous avez coupé le mal? C'est-à-dire que. C'est-à-dire que. Ouais. Bon, on dit. C'est-à-dire que le vrai marabout ne met pas la plaque. Ah, d'accord. Le vrai marabout, ici, grand marabout, venez pas ici. Non, on n'a pas besoin. Quand on est un bon marabout, le bouche à oreille. C'est peut-être tout. Voilà. On ne peut pas être tout. Tu peux faire ta propre publicité. Et c'est voir passer oreille de chaussée. Voilà. Laissez parler les gens. D'accord. C'était la semaine dernière. Les nouvelles vont de bouche à oreille. On a vu tout le monde là, la semaine dernière? Oui, je pense. D'accord, ok, mais merci Joe. On va tout de suite accueillir notre invité de ce soir, Joe. Mais après le jingle. Après le jingle, oui, d'accord. Alors Joe. Oui, il y a les civilités avant l'arrivée de notre invité. Rappeler que le texte est produit par M. Colin Souanchon et sa participation exceptionnelle, financée par notre producteur Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui lui a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui a également un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême. Madame Colette Chatuet, bonsoir. Alors on reçoit Soraya Ebélé. Oh, mais tu sais quoi, quand c'est féminin, quand c'est la musique et quand ça rime en art, moi j'ai toujours l'impression que ça va être super. Tu vois, non? C'est-à-dire Grazeka, Charlotte Dipanda, Nicole Barra, Sandrine Nanga. C'est bien, non? Bon, sauf que c'est invalidé par le fait que j'aime également Ruth Cotto, Charlotte Bango, Marc Zambo. Donc c'est... Soraya, plus jeune, tu étais cultivatrice. Tu n'étais pas dans les cultures maraîchères ou vivrières, non? Tu cultivais ton talent. Ton talent de danseuse, de chanteuse. Et tu as reçu des infusions traditionnelles, comme on dit, de la compagnie Les Greniers. Et puis tu étais soliste dans chorale de Dominique Saliou, Saint-Dominique Saliou. Voilà. Oui, donc 15 ans, ça c'est à l'âge de 15 ans. Deux ans plus tard, tu rentres dans la police et ton premier fait majeur. Mais oui, c'est que tu engages une course poursuite contre tes études. D'accord. Une poursuite des études qui va t'amener en France, au Québec. Et là-bas, tu vas développer l'expression corporelle et musicale. Tu apprends la danse contemporaine, la danse moderne, la danse traditionnelle. Et tu danses beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Mais tu chantes aussi, tu apprends à chanter. Tu as de bons modèles. Et voilà le thème. Francis Bébé, Richard Bonnat, Nina Fitzgerald, Nina Simone et Ella Fitzgerald. Et à ce moment, tu commences à participer à des projets de création chorégraphique. Mais tu n'oublies pas d'écrire ton album. Et tu fais justement de bonnes rencontres. On se rencontre tous les deux, on tombe amoureux. Tu rencontres Manu Wandi, tu tombes amoureuse de lui aussi. Mais bon, musicalement, puisque ton cœur est déjà pris par moi, musicalement. Il y a Nembro également avec qui tu as travaillé. Et Thomas Nikos pour travailler sur un magnifique album qui est en fait un point confluent entre ce que peut nous offrir le moderne et l'Occident. D'accord. Et nos traditions. Il y a des belles consonances Douala et Bassa que tu mélanges. Le Ngosso, les Sewe, le Makune, avec les instruments partout, les balafons, les violoncelles, les guitares. Donc l'album s'appelle... bon, c'est moi qui choisis le titre. Hein, d'accord. En tant que, Vas-y. Donc, c'est Bebo Teti qui veut dire... Bebo Teti. Voilà, Bebo Teti. C'est un peu comme la Genèse, le commencement. Voilà. Et c'est moi qui choisis également le premier single, Timbanama. Je vous assure, ça va vous plaire. C'est bien. Bon, elle va vous plaire aussi parce qu'elle est notre invitée. Bienvenue, Soraya. Bienvenue à Soraya et Belen, notre invitée. Alléluia.
Elle est avec nous ce soir. Elle s'appelle Soraya Ebele. Oui, elle est camerounaise et elle est avec nous. Elle est notre invitée. Bonsoir, Soraya. Bonsoir. Mmh. Je suis très ravie d'être avec vous. Ah ben nous aussi. Nous-mêmes, hein. nous ravissons. D'être avec toi. Nous ravissons aussi. On est là. Non. Kalagan, oh là là. Dans ta joie, tu te perds un peu. Non, on est tous là. Et on est ravis aussi. Comme elle dit que c'est ravi. Alors oui, Soraya et Bélé, nous sommes heureux de partager ce plateau avec vous. C'est comment? C'est good. Non, mais c'est bien. Ça fait une bonne rentrée. C'est good, ça. Voilà. Mais pourtant, Kalagan a répondu. Hein. Tout à l'heure, il a donné la réponse. Il y a un code ici. L'émission s'appelle C'est comment. C'est comment. Et il y a une réponse. Code. On est là. Voilà. 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 Alors, Soraya, comment et pourquoi entres-tu dans le monde de la danse? Comment et pourquoi dans le monde de la danse? Oui. Comment, mais naturellement. Comment? Parce que moi, ce n'était pas naturel, par contre. Hein. Ben, en fait, je suis à l'école primaire. Je suis à Saint-Jean-Bosco. J'entends déjà les... Saint-Jean-Bosco de Loum. D'accord. Et j'entends déjà les percussions, le tam-tam de Lieberman, c'est les génies noirs. Ah, et d'accord. Quelques années après, je rejoins Lieberman. Et donc, à la fin de la remise des bulletins, il y a toujours les danses traditionnelles. J'ai vu ça, j'ai dit ça là, l'année prochaine, c'est moi. Quoi. Et voilà comment je rentre dans la danse. Donc, je ne lâche jamais la danse traditionnelle. J'adore ça. Je coupe un peu en Europe. Et puis après, ça me manque. Donc, je continue les danses traditionnelles, Mali, Guinée, Sénégal. Et puis après, je rencontre la danse contemporaine et l'histoire. Waouh! C'est comme ça. Tu es une voyageuse, hein? Tu as voyagé, hein? Ouais. Mali, Guinée, Sénégal, c'est ça. Gabon. Pas encore le Gabon. Pas encore Cotonou. Ça, c'est bien, ça. J'étais vu passer une touche là-bas, comme ça, avec les. On appelle ça quoi? Le petit habit qui est collé comme ça? Rose. Ah oui, le matelot. Le matelot. C'est bien, hein? Ça, c'est bien. Ah, c'est là. Quand une femme est bien comme ça, c'est bien. Elle est bien. Oui. C'est pas possible. Même l'accoupement, non? Tu parles de la danse? Tenue de danse, non? Oui, c'est ce que je dis, que quand tu es habillé comme ça, avec sa compagne. Tu passes toujours le message à qui? Parce que je comprends pas. Dès qu'il voit quelque chose de bien sur une femme, il insiste là-dessus et il dit c'est quand une femme est comme ça. C'est la voix de 100 voix. Si vous n'êtes pas formé comme ça, je suis juste la voix de 100 voix. Ne portez pas ce style. De 100 voix. C'est ta voix à toi, non? Non. Les gens qui ne peuvent pas parler comme moi, qui n'ont pas la possibilité, mais qui ont le même regard que moi. Le même regard, hein. Oui. Le même problème, tu veux dire. Non, regard. Le regard problématique. Voilà. C'est un regard naturel. Ça, c'est alors, un vêtement rouge, l'autre, c'est blanc. C'est tout. On peut poser sa question. Alors, Soraya, les vidéos nous ont donné l'opportunité de contempler ton talent de danseuse, mais on a également entendu, on a été transcendé par là, dans l'âme, par ton talent de vocaliste et de chanteuse aussi. Comment est-ce que la musique s'installe dans ta vie au point d'en arriver... Là, c'est devenu professionnel. Oui. Ah, et bien la musique aussi, j'allais dire que naturellement. Non, en fait, la musique aussi, c'était toute petite. En fait, je dirais qu'au Cameroun, la danse et la musique sont présents un peu partout. Pour moi, j'ai beaucoup aimé les chorales, en fait. J'entendais les chorales chanter, puis j'ai rejoint la chorale... voilà, cité tout à l'heure, là, de la paroisse Dominique Savio. Et après, c'était les clubs musique. Et en fait, il y avait Whitney Houston qui avait sorti Bodyguard à l'époque. Oui. Donc, j'ai appris tous les répertoires, je suis allée fouiller, je suis tombée. Tu sais que je suis une grande voyageuse maintenant. Donc, je suis allée aux États-Unis par la musique, tout ça. Donc, et quand j'ai commencé à danser, je dansais aussi parce que je voulais chanter en Douala, dans ma langue. Mais je n'avais pas encore la langue bien installée parce que je ne parlais pas petite. Donc, mais ça me manquait, en fait, d'utiliser la voix. Et donc, finalement, j'ai écrit des chansons en réapprenant le Douala. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, bah, tiens, on peut faire peut-être un projet avec ça. J'ai rencontré Manuel Wandji. Ouais. J'ai fait écouter les maquettes. J'ai rencontré d'abord à Paris un de ses concerts où je suis montée danser.
Et puis, en fait, on s'est retrouvés dans un festival à Bokingoma, à Yaoundé. À Bokingoma, oui. Voilà. Le festival de Dor d'Élise, Madame le Maire. Exactement. Je crois que c'était en 2014, cette édition-là. Et puis, je dis, oh, j'ai des petites chansons-là. Bon, je sais pas ce que ça peut devenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dit bon, on va essayer une chanson. Et donc, on a essayé Timbanamba. Voilà. Timbanamba. Et c'est ce que ça a donné, quoi, le premier single. Timbanamba. Ouais, on peut voir le clip un peu. Timbanamba, ça veut dire quoi? Tu fasses une image pendant qu'on discute. Timbanamba. Reviens à moi, quoi. Oh, non, je suis occupée. Je suis occupée. Alors, la musique que tu fais est souvent étiquetée comme musique du monde. Pourquoi avoir porté ton choix sur ce genre, sur ce type? Ou alors, c'est pas toi? En fait, j'ai juste j'ai créé, honnêtement, maintenant c'est étiqueté, mais je voulais le douala, je cherchais mon traditionnel, j'avais mes danses traditionnelles, donc... Tu pourrais faire l'ambassé, hein. Mais il y aura des touches aussi, hein. Il y a le makuné, mais tu as choisi, oui, mais tu as choisi un mélange quand même, hein. Oui, parce que je pense que ma vie est faite de voyages, donc... De mélange. Ah, mais là, c'est la publicité, alors. Les non-voyageurs et voyageuses, là, tant pis. Non, mais même au Cameroun, même à Douala, on peut voyager. On peut voyager sans bouger, hein. C'est vrai. J'ai même un ami qui était trop pris par le voyage, tellement qu'il fallait qu'il convainque sa copine qu'il voyage. Il a pris le sac, il est allé à l'aéroport, il a fait 2 heures de temps, et il a dit, viens me chercher. Il a d'abord éteint son téléphone 2 jours. Voilà. Après, il dit, viens me chercher, je suis arrivé. Donc, c'est ça, c'est arrivé comme ça. Tu as... Donc, pour moi, c'est la fusion, parce que naturellement, j'ai grandi au Cameroun, je connaissais les traditionnels, mais j'ai aussi grandi dans un environnement, on va dire, moderne. Et d'avoir été en Europe, aux États-Unis, forcément, ça a influencé mes goûts. Oui. Ella Fitzgerald et en même temps Francis Bébé. Voilà, mettre ça ensemble. Donc après, c'est la création, c'est la cuisine, quoi. Oui, voilà. Exactement. Donc les morceaux, là, fais-moi un peu une acapella d'un truc. Donc, quand tu as commencé. Non, il y a l'acapella à la fin, elle va le faire. Ah, c'est ça à la fin, hein. Ah, tu parles de quoi? Non, les chorales, un peu. Comment quand tu as commencé en chorale, tu as commencé comment? Ah, la chorale. On avait Efoué Yamba Makambu, Efoué Yamba Makambu, Yamba Makambu, Yagime Ganabeto, Efoué 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 Efoué, Tala Maboko Namono Yokele Mama, Tala Mono Kibeni, Sukaniya Nene, Kinki Mamono Tale Nda Pesa Naveye. Fouet, personnel pour moi, pour ma vie, d'assumer que ben, la musique et la danse n'étaient pas juste à côté d'autres choses, quoi. À côté, par exemple, ben, d'une carrière classique en entreprise. Tu as une carrière classique en entreprise? Oui, moi j'ai fait des études d'ingénieur, en fait. Donc j'ai quitté le Cameroun, on m'envoyait en France pour faire des études, pas pour aller faire de la danse ou de la musique. Et tu as fait des études? Et donc j'ai fait des études, j'ai réussi. Oh. Voilà, donc j'ai un diplôme d'ingénieur, management de projet, donc... Voilà. Voilà, j'ai commencé comme ça et en fait j'ai commencé à travailler et ça me manquait, le côté culturel me manquait. Voilà. Donc du coup j'ai ramené ça dans ma vie. Aujourd'hui c'est au même niveau en fait, quoi. Donc j'ai même créé en fait une carrière qui me permet de gérer les deux. Voilà. En étant entrepreneur, en intervenant comme coach et en utilisant justement la danse et la musique, quoi. Parce que oui, il faut aller à l'école. Hein. Ah oui, ça c'est important. Ça aide. Mais oui, parce qu'en fait, même un projet artistique, il y a une dimension administrative, il y a une dimension entrepreneuriale, il y a une dimension commerciale. Donc, il ne faut négliger aucun aspect, quoi. Voilà. J'espère que ce que tu viens de dire là, Nia, tu as bien en train d'écouter. Qui ça? Nia. Il a toujours des règlements de compte. Nia, tu as entendu. Voilà. Nia, voilà ton égal. Tu as entendu. Ah, on met de la danse, Abba ingénieur. Tu passes le temps. Non. Ah, ton égal, Nia. C'est bien, hein, maman. Bon, je vais te poser une simple question. Hein, parce qu'on dit ici que ton premier amour, c'est la danse. Comment est-ce que tu développais cette carrière maintenant que tu commences dans la musique? Parce que moi, je sais,
que les danses que j'ai d'abord vues là-bas, tout à l'heure, tu ne peux plus la pratiquer de la même façon. Parce que j'ai un peu mis, versé le ndingou au sol. J'ai fait. C'est le kori, maman. Le kori. Yes. J'ai versé comme ça. J'ai un peu vu comme si. Tu es marabout. La maladie de dormir, sans porter les vêtements, tu as déjà un peu pris. La maladie de dormir, sans porter les vêtements, c'est comme si ça t'a pris. Là, et maintenant, dormir sans porter les habits. Oui, ça fait quoi? Quand ça t'attrape, en tant que c'est femme, une maladie, c'est, quoi, c'est une maladie. Tu attrapes 9 mois, maman. Ah, c'est ça la maladie de. Pour dormir écoutez sans porter les vêtements. Ça te donne 9 mois. Sauf si mon œil voit mal. Parce que mon œil voit pas les petits. C'est une question personnelle. C'est pas possible. Oui, non, mais vraiment, ton djingou là n'est pas bien. Voilà, ton djingou n'est pas bien. Parce que maintenant, tout fait maintenant, à manière que tu prends la position, c'est pour que ça n'a pas un djep. Pourquoi on ne voit pas que ça rentre un peu pour que je n'identifie pas bien. De toutes les façons, je ne suis pas moi. Je suis pas moi un médecin pour déduire. Oui, mais quel est le rapport entre 9 mois et la danse? La danse, parce que j'aurais besoin tout à l'heure qu'on esquisse quelque part de danse, que tu me montres le même parangon de danse que tu fais. Non, mais je n'ai pas la tenue rose. Je me dis que peut-être que ça peut t'empêcher. Donc, c'est quoi la question? Oui, la question est simple. Ton premier amour, c'est la danse. Comment souhaites-tu développer cette carrière maintenant que tu commences dans la musique? En fait, pour moi, ça va ensemble. La danse nourrit la musique et la musique nourrit la danse pour moi. J'ai toujours eu les deux petites et j'ai grandi avec. En fait, les chansons ou l'album vont accompagner un spectacle. Et un spectacle, il va être fait de danse et de musique. Donc, en fait, j'ai vraiment envie que ce soit une fusion. À ma façon, comme on peut voir Beyoncé danser et chanter, elle a sa façon de faire. Tout le monde secoué comme ça. Elle a sa façon. On a Dobé Nyaoré. Oui, Dobé Nyaoré. Voilà, on a chacun a son look. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment que ça reste ensemble. Quoi. Mm-hmm. Après, ça, les l'idée. Étiquettes, c'est les étiquettes. Oui. Mm-hmm. Mais voilà, ce qui est important, c'est le spectacle vivant. Et dans le spectacle vivant, j'intègre ces deux notions. Voilà. Bon, en passant, tu es une très belle femme. J'aime voir les femmes bien noires. Ça, c'est le moment de la vie. J'ai vu, on te voyage. Je vous en prie, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est que quand je vois une dame qui a gardé le joli teint comme moi, voilà. Les gens vont dire que, oh, tu es trop noir. Je dis que quand j'aurai l'argent, je veux faire le maquillage. J'ai pas encore l'argent. Donc, tu veux faire? Non, j'ai fait ce que je suis fini. Mais tu dis que tu as dit que quand tu auras l'argent. C'est les thèmes pour qui c'est pour qui te pour qui me laisse tranquille. Ah, d'accord, je comprenais rien quoi. Tu as un joli thème. On est accompagné de Soraya Ebele qui est notre invitée. Elle a son tout premier bébé musical. Soraya. Bébé Teddy, c'est ça le titre. Tout à fait. Et le titre, le single, il y a un single qui est déjà là. Voilà. Le clip, on a eu quelques extraits que j'ai redemandé mais qu'on n'a pas vu. C'est pas grave. On va accueillir notre cher Dexter pour le mailing parce qu'on a toujours, Soraya, on a toujours un thème. Yes. Aujourd'hui, le thème, c'est à force d'abréger les mots, est-ce que notre vocabulaire et notre grammaire sont affaiblis? On va le savoir. Okay. Et on a des personnes qui ont déjà posté leur avis sur notre page Facebook. C'est pour ça que Dexter nous rejoint. Salut Dexter. C'est comment on est là? Bon, bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde et surtout à Pani dans son Kabangondo. Dans oui, son Kabangondo. Dans son Kabangondo. Ça se voit, on met la cise. Ça se voit plus en Kabangondo de l'autre côté. En tout cas, c'est cool. Voilà, ça se voit là, peut-être qu'elle a le pantalon. Où tes yeux sont tes yeux, les gars. Moi, je vois le Kabangondo. Bonsoir. Bonsoir. Tu pensais que j'allais rater, je sais. Oh. Alors Dexter, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, on commence avec Carl Elliott Fotso, c'est comment? On est là, Carl Elliott Fotso. Selon moi, l'abréviation des mots en vocabulaire et grammaire ne peut aucunement affaiblir ces derniers, tout simplement parce qu'au départ, j'ai pris la peine de bien maîtriser. Mais toutefois, on constate avec amertume que les gens en font un peu trop, au point où l'on se demande en quelle langue ils s'expriment. Autre message, belle Kous, bel Kissou, Dandé, Bia, Fou.
côté WAP, c'est comment? C'est tout le nom de quelqu'un. Ouais, il est kilométrique. Comment c'est le nom, la voix? Non. Je pense que, au contraire, ma grammaire et non. Et mon vocabulaire sont plutôt améliorés grâce au correcteur automatique. Aussi, j'ai jamais aimé abréger. Je prends toujours la peine d'écrire en toutes lettres pour une meilleure lecture et compréhension. Ceux qui n'abrègent pas, ils ne vont pas être affectés. Ils ne vont pas être affectés, c'est clair. Non, parfois, tu peux abréger, ça corrige, non? Non, c'est-à-dire, justement, c'est ça. On parle des gens qui abrègent tout le temps. On ne parle pas de ceux qui n'abrègent pas. Quand tu abrèges, même, je parviens à lire ça, à déchiffrer. En fait. C'est aussi difficile. Il y a des gens qui t'écrivent. Ça veut dire parce que. Parce que. Mmh. Voilà, Valéria Nampan, c'est comment? On est là, le fait d'abréger baisse complètement notre niveau grammatical. Moi, parfois, je me retrouvais en train d'abréger sur mes copies de composition et on me retirait les points. C'est pas du tout bien parce que pour arrêter, c'est pas facile. Je salue toute l'équipe de C'est comment. Autre message, Julia, Jessica, c'est comment? On est là, Julia, Jessica. Pour ma part, je pense que l'abréviation n'affecte aucunement mon vocabulaire ou ma grammaire, déjà que je sais où utiliser et où ne pas utiliser. Voilà. Doraline l'Africana, c'est comment? On est là, Doraline l'Africana. Voilà. Et je ne sais même plus comment écrire. En toutes les lettres, l'abréviation a pris le pouvoir chez moi. Oh non, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah. Prisca Ayene, c'est comment? On est là, Prisca. Non, ma grammaire et mon vocabulaire, parce que j'abrège j'abrège quand j'écris les messages à mes amis et quand je suis à l'école, je n'abrège pas quand j'écris. Donc bonsoir à vous sur le plateau. Abbé Kunchem, je ne sais pas trop, mais le vocabulaire de celui qui a écrit ce post s'est affaibli. Il devrait écrire au lieu de... Bon. Au lieu de ce... Il devait écrire ce son au lieu de ce son. Ah, avec S? Oui. Il a abrégé. Il a écrit avec S. Bon, on va vérifier tout à l'heure. On va vérifier si c'est ça, on va modifier, pas de souci. Amédine Sangou, c'est comment? On est là, Amédine. J'abrège difficilement. Moi, je sais que cela a des conséquences fâcheuses sur le vocabulaire, l'orthographe et la grammaire des locuteurs. À force d'abréger, on finit par oublier certaines règles grammaticales et l'orthographe de certains mots. Notre expert en qualité, pour y remédier, il faut s'entraîner à écrire tous les mots entièrement. Ouais. Autre message, Josie Kamga, c'est comment? On est là! L'abréviation des mots ont affaibli mon vocabulaire et ma grammaire. Au départ, c'était pour moi un jeu. Et aussi, du fait que l'SMS coûtait 50 francs la page, il ne fallait pas écrire plus d'une page. C'est vrai que c'est là. Mais quand les choses ont été plus simplifiées avec les SMS, il y en a à certains mots. Il y a certains mots que je n'ai même plus à chercher. Au contraire, leur orthographe avec certaines personnes, cela va de mal en pire. Benaziz Bati, c'est comment? On est là. J'ai failli dire Bouteflika. Salut. Bien que sur le vocabulaire diminue, imaginez 60% d'une classe de 3e qui écrit casquette. C'est moi aussi. Je me suis rendu compte un jour que j'avais abrégé dans une demande adressée au doyen de la faculté, avec donc c'était bien grave, donc j'ai décidé de ne plus le faire. Voilà, ouais, on va s'arrêter là pour les messages. Bon, tout à l'heure, on s'est partagé, c'est que les avis sont quand même partagés. Oui, mais on sait très bien que ça touche quand même notre grammaire et notre vocabulaire de manière normale. La majorité des personnes sur 100 personnes qui abrègent, il y aura au moins plus de la moitié qui ont des petits soucis après. On sait aussi qu'il y a certains qui savent distinguer les niveaux de langue, donc les abréviations pour le niveau familier et bien écrit pour le niveau courant, donc l'écrit par exemple. Pas évident tout de même. Faut le signaler parce que les jeunes, ils nous regardent et ils savent très bien. Nous-mêmes, nous sommes grands, mais on n'arrive pas toujours à avoir le bon mot. Hein. Donc c'est pas évident. Quoi. Après, il y a des canaux différents. Oui. Il y a comment on communique au téléphone, il y a les mails. Et je pense que ça peut faire une différence. Quoi. Il y a les textes, les rapports. On ne va pas, dans un rapport, commencer à abréger. Quoi. Mmh. Donc, c'est sur Facebook, par exemple, on est entre amis. Donc, forcément, c'est familier. Pour écrire n'importe comment. Le débat va s'ouvrir tout à l'heure entre nous. Parce qu'écrit correctement, c'est plus le langage. Mais je ne veux pas qu'on mette la liste là. Professionnel, à l'école et tout. Mais c'est le moment, il y a un moment, quand tu abrèges trop, ben même quand tu es sur le plan professionnel, tu oublies. Oui, ça oublie. Tu oublies. Voilà. Bon, ok. Donc, on peut faire des selfies? Bien sûr, je sais que j'adore ça, Joyce. Je vous le permets. Non, d'accord.
Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Bien telle idée, bon woné. Nanje et mounyange na mounyange. Om il est maé, ayoboé. Lende om le somaé, limba di kaloé. Om on dit moi c'est yo. Et bien telle idée, bon woné. Nanje et mounyange na mounyange. Om il est maé, ayoboé. Lende om le somaé, limba di kaloé. Om on dit moi c'est yo. Merci pour toutes ces photos, toutes ces selfies que vous nous envoyez tous les jours sur notre page. Entre temps, Chlorelle a fait son entrée. Oui, en il dansant. Est en costard vêtu. Chlorelle. Je sais pas, c'est de la langue de colibri. Non, mais c'est moi, je pense que j'ai entendu. Wow. Chlorelle, bonsoir. Oui, bonsoir. Je n'ose même pas vous toucher ce soir. Ouh là 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 là. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, oh là là, j'ai mangé du turap. On est là. Merci, Sibylla. Bonsoir, Fanny, parce qu'elle m'a beaucoup manqué. Sans blague. Elle t'a beaucoup manqué. Tu ne sais pas où elle habite. Est-ce que vous aimez seulement voir les gens sur le plateau? Je sais pas où elle habite. Mais renseigne-toi. Alors, c'est ça. Il a raison, Calagan. Tu te renseignes. Ne cherchez pas à dire des belles choses parce que vous êtes sur le plateau. Je sais pas non plus. Parce que c'est ce qu'il est en train de te dire. Il faut savoir appeler le chat chat, le chien chien. C'est là qui est le chat. Non, personne n'est le chat. C'est une furie de style. À ta manière de longo. Dans ta figure de style, laisse. Ok, présente ton geste. Alors, dis-nous, parce que tu étais sur le terrain. À force d'abréger les mots, votre vocabulaire et votre grammaire se sont-ils affaiblis? On a rencontré notamment une disciple de Molière avec qui on a échangé sur la question. Marie-Michel Ango, elle est professeure de français. Du moins, on l'a rencontrée en plein cours de langue française au niveau du lycée d'Akwa avec elle. On en saurait un peu plus autour de la question, mais comme à l'accoutumée, on vous proposera tout d'abord, évidemment, le Vox Pop, mais après, on aura également le sondage. Vous verrez que beaucoup de Camerounais rencontrés dans les rues de Douala et en
n'accordent donc leur avis et pensent en majorité que c'est un véritable problème. Problème définitivement classé de social et il faudra trouver des solutions même à ce problème-là. D'ailleurs, une piste de solution a été évoquée avec Marie-Michel Ango. Mais tout de suite, allons tout d'abord retrouver les avis des uns et des autres recueillis dans les rues de Douala. C'est dans le Vox Pop. À tout de suite. Allez, on y va. Abréger les mots, ça rabaisse le niveau du vocabulaire. Parce que surtout pour des enfants, hein, et même pour des grandes personnes. On peut croire qu'à force de le faire, on trouve beaucoup plus de facilité à réduire les mots qu'à les écrire de façon normale. On dit l'habitude d'une seconde nature. Et on se voit généralement lorsqu'on écrit même des notes qui s'avèrent aussi importantes et sérieuses, on se voit parfois avec l'habitude de la répétition, en train de faire ces abréviations, même sur des notes qui sont vraiment importantes, des notes même parfois administratives. Et c'est fort même si on peut se rendre compte et s'amener à les rectifier. Je peux dire que ça affaiblit d'une part et d'une autre part, ça nous facilite aussi la tâche dans les conversations, dans le sens où lorsqu'on passe le temps à abréger, tu vois, dans nos conversations entre portes et tout, c'est plus facile. Mais lorsque nous sommes dans le côté administratif, peut-être à l'école, là, l'abréviation n'a pas lieu d'être parce que nous sommes là pour apprendre. Et quand lorsqu'on apprend, on apprend pas en abrégeant, on apprend en lettres d'alphabet tout entier. Moi, personnellement, je me suis confronté parfois à envoyer des messages à mon supérieur en abrégeant un mot, ce qui n'est pas professionnel. Et aussi, parfois, on écrit certains mots. Sur une demande manuscrite rédigée, on se rend compte que le vocabulaire qu'on a utilisé est différent parce qu'on a eu l'habitude de l'écrire autrement sur le SMS. Du coup, je vais directement répondre en disant que ça a un très gros impact parce que parfois, ça impacte beaucoup notre vocabulaire. Ça fait qu'on écrit très mal nos mots et puis ça fait qu'on s'exprime aussi mal lorsqu'on écrit. Mais bon, on fait souvent ça parce qu'on veut économiser le nombre de caractères sur le téléphone parce qu'on ne veut pas payer plus cher. Les abréviations, en fait, affaiblissent nos niveaux. Parce que pour quelqu'un qui est déjà vieux, c'est un autre cas. Mais pour les enfants, c'est problématique aujourd'hui parce qu'un enfant ne pourra pas écrire correctement un mot. Il aura même des difficultés à accorder et les verbes ne se conjuguent plus parce que l'enfant voit la facilité en script, va seulement abréger en pensant qu'on comprend ce qu'il dit. Au fédéral, ce sont les termes qui sont vulgaires. Donc, je pense que ce n'est pas bien d'abréger certains mots. C'est une donne qui s'amène à réduire vraiment le vocabulaire. Ça, il faut le dire. Bêta, on écrit le bon français, comme on dit souvent. On écrit le bon français, au lieu d'écrire, et ça, on m'en dit. Parce que ma mère appelle souvent ça le charabia, ou le charabia d'abréviation. Si on peut trouver un moyen d'écrire sans abréger, on va le faire. Et c'est quand on veut souvent écrire vite pour écrire avec le moins de caractères. Mais sauf qu'après, on est rattrapé. Après, ouais. On est rattrapé. Voilà. Ben oui. On est rattrapé. À force de s'y habituer, on pense qu'on maîtrise, mais en fait, non. Hein. Le cerveau, il est comme ça. Hein. Il encaisse. Après, non, il ne rend que ce que tu lui as fait encaisser. Hein. Voilà. Après, on te demande. Si tu abrèges plus, ne pense pas que ça ne va pas affecter ton vocabulaire quand il faudra écrire normalement. Ça va l'affecter. Oui, en fait, le problème, c'est que ça installe même une sorte de doute. De doute, oui. Parce qu'on a tellement l'habitude d'abréger que quand on me demande en fait, d'écrire normalement, tu as des petits blocus, on s'installe des doutes. Excuse, ce n'est pas l'autographe exact. Voilà. Ça nous arrive très souvent. Et tout à l'heure, il y a eu un monsieur qui a évoqué de ce qu'il a eu à rédiger, parfois à converser avec son supérieur hiérarchique via les conversations WhatsApp et autres. Oui, parce que WhatsApp devient administratif maintenant. Justement, il y a des forums WhatsApp, l'entreprise et autres. Donc, ça, c'est compliqué parce qu'on verrait un employé qui écrit en abrégeant pratiquement tous les caractères de son texte. Et ça pose quand même un problème. On ne peut pas le faire quand on envoie un message sérieux à son supérieur hiérarchique, on devrait quand même respecter un certain nombre de choses. Voilà. Alors, on va faire un petit tour. Nous avons maintenant dit que voici les mangues que j'ai cueillies. Pour écrire cueillies. Cueillies, c'est un problème. Il bloque, cueillies là. Il écrit un genre cu. Il met souvent, il étudie ça. Mais il dit que c'est cueillies. C'est cueillies. c'est vrai que des fois, on se cache derrière une abréviation parce qu'on ne sait même pas l'écrire en fait. Alors, ce sont ceux qui n'ont pas déjà le téléphone. Tu demandes à l'ordinateur. Il faudrait inciter les gens à écrire normalement. Oui, il faut inciter les gens à écrire normalement. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme Internet, on n'a plus besoin de dire qu'on essaie de faire des économies sur les SMS ou sur. Non, WhatsApp, écrivons normalement parce qu'on communique de plus en plus avec nos enfants d'ailleurs. Il y a ces mêmes réseaux-là. Donc, il faudrait pouvoir écrire normalement pour pouvoir leur offrir la chance qu'on a eue de.
voilà, de connaître en fait les mots en entier. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse découvrir des mots en entier que pendant les cours. C'est ça. Ça existe, ça doit, aussi ça dans le quotidien. Ça doit faire partie de notre langage, notre, de notre expression. Calagan ? Oui, maman. Moi, tu abrèges. Non, je n'abrège pas. Je n'abrège pas. Je fais l'effort. Sauf pour écrire LOL. Écrit. Non, mais c'est drôle, c'est beaucoup. LOL. Beaucoup ne peuvent pas te l'expliquer, en fait. Au moins, ça, LOL. L'autre, là. Ça suffit au coup. MDR. Oui, mort de rire. Mort de rire. D'accord. Au moins, ça, ça passe. Au milieu de ça, vraiment. Tu n'es pas dans les abréviations de parce que. Parce que quand tu abrèges souvent, là, j'aime souvent, peut-être que ça n'a rien à voir. J'aime. Voilà, j'aime. J avec M. J'aime. J'ai écrit Jean-Marie. C'est bon, t'as fait aussi Jean-Marie. Une fois, j'ai fait un message qu'il ne fallait pas à quelqu'un. Oui. Parce que j'ai confondu, comme j'avais abrégé même jusqu'au nom. Ah, tu as abrégé même le nom enregistré. Le nom enregistré. C'est pas possible. Et maintenant, dès que tu lances comme ça, allez. C'était, voilà. Ça, c'est allé chez. Je vais te dire le nom. C'est chez un humoriste. Et c'est avec des trucs. Bébé, tu penses qu'on peut. Ah, non, 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 c'est pas possible, Calagan. Non, j'imagine que. Oh là là. Pendant que nous, on parle d'abréviation qui bloque notre langage, toi, tu parles d'une abréviation qui t'a. Il me rappelle, il dit. Tu vois, tu te demandes qu'on fasse quoi. Qu'est-ce là que tu dis? Je dis. Papa, qu'est-ce qu'il vient de faire? Ouais. C'est parce alors que tu as abrégé le nom. J'ai abrégé le nom. Non, mais si vous permettez, même au niveau du système éducatif, l'abréviation, elle est un peu comme prescrite. Au niveau notamment de la classe, mes souvenirs sont exacts, la classe des cinquièmes, il y a ce qu'on appelle les prises de notes, et donc là, il y a ce qu'on appelle l'abréviation conventionnelle. Dans le dictionnaire français, oui, c'est un peu comme prescrit, mais attention, parce que parfois, les élèves, nos autres parents et autres, on écrit, on n'arrive pas à décoder justement le message qu'on véhicule. Et c'est où se situe justement la problématique, de l'abréviation. Joe? Oui, c'est ce que j'allais dire. À mon humble avis, si l'abréviation existe, c'est que c'est d'abord une bonne chose. C'est un usage important et intéressant dans la pratique de la langue. C'est-à-dire qu'il y a des contextes de communication où la langue n'est qu'un support. En mathématiques, des fois, on inclut le CQFD pour dire ce qu'il fallait démontrer. Parce que c'est les notions scientifiques qui importent et pas tant que ça, la langue. Ouais. Des fois, il y a des situations où c'est le message que tu veux passer qui compte. Et pas tant que ça, comment est-ce que tu le dis, le code que tu crées. Donc, c'est dans ces contextes, il faut savoir utiliser que... les abréviations aussi. Parce que quand tu le dis comme ça, oui, le professeur veut que tu prennes des notes en avec les abréviations, mais il n'accepte pas quand tu lui donnes une feuille d'un exercice en abréviation. Le problème, c'est que même dans le cas des échanges, des SMS, celui qui retourne n'a pas forcément les mêmes codes. Oui, bon, maintenant le langage SMS a quand même créé, on peut dire, une langue subsidiaire à côté. C'est-à-dire qu'on sait tous que quand tu mets, je sais pas, le P, le parce que, le PCK, tu l'as introduit parce que. Ou... Oui, mais maintenant, on a même enlevé le C. Donc, c'est tout. Maintenant, les gens, on a l'impression que l'abréviation. Ils mettent P et Q. Vraiment, ils veulent pas trop. Ils vont aller déduire lui-même. Bon, maintenant, bon, moi, je trouve que c'est pour des esprits qui sont plutôt avertis, expérimentés, c'est un art de pouvoir abréger, se faire comprendre. Non, mais c'est un art aussi le franc anglais. Hein, on va pas l'écrire en haut d'examen. C'est un art aussi le franc anglais. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas la maîtrise d'un certain nombre de notions, ce serait intéressant justement d'être rigoureux sur le contexte. Sauf qu'après, c'est un impact également au niveau des personnes plus âgées, Joe. Quand on les dit, on a toujours tendance à dire non, les enfants ne devraient pas le faire. Mais nous également, grandes personnes, on le fait, on ignore de ce qu'on en train d'impacter même notre niveau de vocabulaire et de grammaire, raison pour laquelle justement on se retrouve à faire des rédactions, des lettres truffées de faux, truffées d'erreurs. Ouais. C'est l'une des conséquences. Soraya n'a pas encore dit son mot. Hein. Non, moi je suis ok pour qu'on écrive tous les mots. Je pense que le challenge doit être à écrire rapidement, par exemple. Voilà, à écrire rapidement tous les mots. Au lieu de. Avec tous les accords. Avec tous les accords. C'est là où tout le monde sait ça. Les e-muets et tout ça là. Ce que tu viens de dire, Turaya, c'est Turaya. C'est pas Turaya. Turaya. Ah voilà, parce qu'il y a un téléphone là où c'est Turaya. Ce que tu viens de dire, c'est très important et vraiment, tu mérites. Je voulais te faroter, mais comme je sors de congé, tout à l'heure, on va même se voir. Je vais te faire un petit moment. À la suite, on a donc le sondage avec oui à 90% d'ailleurs, comme on peut le voir à l'instant à l'image. 90% des personnes pensent que ça représente un véritable problème pour notre vocabulaire et donc notre grammaire. Et seulement 10% des personnes pensent que non, on peut le faire en réalité, c'est pas un problème. La raison évoquée notamment
seulement par ces personnes concernant les 10%, c'est quoi? Les enfants ne doivent pas le faire, les grandes personnes peuvent encore le faire parce que, dit-on, on peut arriver à décoder le message qui est véhiculé derrière, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, qui attend pour nous éclairer un peu plus? Oui, Marie-Michèle Ango, on l'a rencontrée en plein cours de français, dans une classe de 3e au lycée d'Akwa. Elle nous éclaire l'antenne autour de la problématique évoquée dans l'émission ce jour. A tout de suite. On rencontre les évaluations dans les devoirs des enfants, dans leurs messages qu'ils adressent à leurs amis, aux parents et même dans leurs devoirs en classe. C'est passe-partout. Donc c'est un phénomène qui pose un sérieux impact sur la langue française parce qu'ils abrègent n'importe comment et à n'importe quel moment. Ce qui fait qu'ils ne forment plus des phrases correctes. Leur langue se retrouve affaiblie, leur vocabulaire, leur grammaire, ils n'accordent plus. Les règles de grammaire, les règles d'accord grammatical, les règles d'orthographe sont bafouées. Donc c'est vraiment sérieux. Et puis, ils n'utilisent pas vraiment les abréviations conventionnelles comme il se doit parce qu'il y a un code conventionnel d'abréviation. On les utilise dans la prise des notes. Lorsqu'on est dans une conférence, lorsqu'on assiste à un débat, même pendant que le professeur dispense sa leçon, on peut prendre des notes de manière à suivre l'orateur. Les abréviations conventionnelles qui sont autorisés dans les cas de prise des notes. On assiste à un cours, à une conférence, à un débat, on est obligé de prendre les notes pour suivre l'orateur dans son propos. Mais il se trouve que ces enfants n'utilisent plus, ne savent même pas utiliser ces abréviations conventionnelles. Ils ont leur code à eux et puis c'est difficile de décoder leur message. Ce qu'il faut, c'est que les enfants se remettent à la lecture. Parce qu'ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Mmh. Ah oui, voilà, pour parfaire voilà, notre vocabulaire et notre grammaire, il faut lire. Ils ne lisent plus. C'est dur, hein, mais il faut lire. Nous, on lisait. Hein. Ah bon? J'ai beaucoup lu, hein, maman. Et maintenant, on a même des j'ai lu livres. Mon livre. Une oui, maintenant, ils peuvent lire même sur. Ouais, c'est facile. Hein. J'ai beaucoup lu. Mon livre unique de français. J'ai lu IPAM 2, j'ai lu Mamadou et Binetta. Et Binetta, voilà. Dans mon livre unique de français, le texte qui m'a marqué, c'était une bonne mère. Mm-hmm. J'aime ma mère. Ah, je l'aime comme tu ne peux pas savoir. As-tu jamais aimé quelqu'un, toi? Si, à la ça, mort de mon père, ma mère était âgée de quelques années seulement. Et ma mère entreprit donc de m'élever. Elle m'y apporta une sollicitude extrême. Elle m'a fait tout. M'entends-tu? Tout ce qu'elle croyait devoir faire pour mon bien. Elle me gavait de nourriture, de bonne nourriture. Elle m'administrait un lavement tous les soirs. Trois fois par semaine, elle m'envoyait écouter les leçons du catéchisme. Il a enregistré. J'étais mis à tenir les causes de mon âge qui avait leur père. Nous dormions sur des lits en bas, de deux côtés de feu, que ma mère ne cessait d'attiser la nuit. D'autres nuits, nous entendions hurler un limon ou hurler un chimpanzé. Je me faisais tout petit dans mon lit. Et ma mère, riant, me disait: n'aie donc pas peur, fils. Il ne viendra tout de même pas te chercher là devant moi. D'autres nuits, les pluies tombèrent. Ajoutez les arbres là-bas derrière la maison. Tu veux citer mon Dieu, écoute les mangues tomber. Les textes de lecture. Non, pas tous les textes. Il y a les textes qui te marquent. Ah, d'accord. Il y a eu le désespoir de la qui a autorisé le professeur de français de nous apporter son éclairage. Et là, le proviseur tenait à saluer toute l'équipe de C'est comment. Ah oui, comment il s'appelle? Inconditionnel de l'émission, malheureusement, j'ai oublié le nom, malheureusement. Voilà. Ce n'est pas normal. On te demande, tu prends note. Tu ne peux pas oublier le nom d'un proviseur qui demande qu'on nous ait une salutation de l'inconditionnel. On va te dire merci, Chlorel. Et le réalisateur a demandé que tu nous fasses une petite démo. Un petit défilé. Pour accueillir les yeux de panique. C'est pour accueillir les yeux de panique. Oui. Un petit défilé. Il est très bien sapé. Voilà. Tu te tagues un peu. Voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà, vas-y. Les yeux de panique, c'est tout de suite. Les yeux de panique.
on va revenir. On est revenu. On est revenu déjà, et voilà. On va aux yeux. On va voir les yeux de Pani. Avant, les yeux de Pani, c'était la fraîcheur de Clorel. Mais il faut que tu qu'il mette souvent les chaussettes. Hein, parce que ça, ça vient comme ça. Il ne fait pas les chaussettes. Chloé était chaud. Il était chaud. Point. Ça, le réalisateur a validé la chaleur de Clorel. Ça, c'est la jalousie. Mais alors. Ça va. Non, mais tu feras un défilé de mode aussi à la fin. Voilà, toi aussi, tu es chaud. Tu es chaud. Tu n'es pas, pas, pas menacé. Voilà. Ma chaussure, ma chaussure, c'est pas une chaussure qui devrait être mise avec la chaussette. Hein. Si bon, c'est okay, ça, c'est bon, ça. Bon, 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 de... Soraya, on regarde les yeux de Pani. Yes. Voilà, c'est son moment. Hein, et ce sont surtout les moments de ses yeux. Il voit des choses et puis il nous les raconte. Voilà, exactement. On est en début d'année, il y en a qui se fixent des objectifs. Ce n'est pas toujours facile de les atteindre, mais il est possible en fait de travailler sur ce qu'on appelle l'état d'esprit. L'état d'esprit. Je l'ai dit en entrée tout à l'heure, « A negative mind will never give you a positive spirit ». Il est maître de cérémonie, il est motivateur, artiste, entrepreneur. Merci de partager avec les téléspectateurs, grâce au concours de la réalisation, cet extrait magnifique de Charlie Tchatch. Charlie Tchatch. Certainement, vous avez eu des périodes de succès, des périodes de faiblesse, des périodes hautement compliquées, des périodes où même vous étiez dans le doute. Puis-je arriver à réussir dans ce vers quoi je me suis lancé? Vous avez certainement eu les réponses et pour d'autres, vous avez toujours des interrogations. Vous posez la question de savoir comment vais-je aborder la nouvelle année. Alors, j'ai un message pour vous. Ne baissez jamais les bras. Ne vous laissez jamais décourager. Par contre, restez toujours positif car le secret de toute réussite, c'est l'état d'esprit. Que penses-tu de toi? Il a dit « Connais-toi toi-même ». Et l'autre a dit « Je pense, donc je suis ». La clé de ton succès, la réponse à tes interrogations viendra de nul autre lieu, si ce n'est de toi. Sors le génie qui est en toi, extériorise ton potentiel et dis-toi « Advienne que pourra ». Peu importe les difficultés auxquelles je suis assujetti, je me bats de foncer. Foncer pour réussir, foncer pour percer, foncer pour matérialiser le rêve qui est le mien. Foncer pour arriver à la destination que je me suis fixée et pour montrer à la face du monde que rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, comme que vous fassiez, partagez l'amour autour de vous, donnez sans attendre en retour, car en donnant, vous ouvrez un boulevard d'opportunités et Dieu, le Père, du haut de son ciel de gloire, vous bénira encore. On ne commente pas les commentaires. Vous êtes en réalité la réponse aux questions que vous vous posez très souvent. Oui, c'est voilà, en fait, tout part de vous. Il faut pouvoir croire en ce que vous voulez être, croire en qui vous voulez être et aller chercher ce que vous voulez. Oh là là, merci aux yeux de Pani. Charlie Tchatch. Extraordinaire. Bien sûr, vous pouvez le retrouver bien sûr sur Facebook, sur YouTube. Charlie Tchatch. C'est un motivateur, auteur et un maître de cérémonie assez particulier. Assez particulier. Tout va comme le sujet là. Merci aux yeux de Pani. Merci. Et tout de suite, on va se quitter. Oula, là, on va laisser Soraya et Belle partir, mais pas comme ça. La grande Soraya va bientôt partir. Alors, depuis tout à l'heure, on l'entend en fond sonore, ce super son. Elle va nous faire un a cappella, une impro a cappella de son titre, Timba Namba. Ce sera après le jingle. Alors, notre chère Soraya, Timba Namba, c'est donc le single déjà disponible sur la toile. Oui. Et nous, on fera un a cappella. Un a cappella. Un a cappella. Ok. Vous savez c'est quoi le a cappella? Ah oui, bien sûr. Vous savez, vous chantez sans le music. Sans le music, please. Yeah. On a un DJ qui est toujours sur son téléphone. Il ne nous écoute pas. On dit sans la musique, il n'écoute pas. Joyce. Peut-être qu'il a envoyé un message à sa copine. On s'en fout. On a pris Na Mingalendena, DJ Bissababa. Na mingelendena, dibe bwa mwanamba. Disini anepe, dibe mwa sumwebe. Na mingelendolo, na musango. Disu anele, dibe longet pepe. Disu anele, dibe mwa sumwebe. Namba, Namba,
Mulemba, Mulemba. Avec moi. Dolo ya Kibanamba. Avec les voix d'Aricot. Dolo Mba, Mulemba. Yeah. Kimba, Mulemba. Je continue ou c'est bon? Il est emporté, il est aussi. Dolo, c'est l'amour. Oui. Voilà, c'est comme Dolo est né groupe sanguin. Au Sengui. Dolo est né groupe sanguin. Au Sengui. Mais c'est là que c'est Dolo. T'attends, tu vois. Ouais. Tu as tout dit. C'est un message ou tu C'est un message là Non. Parce que depuis aujourd'hui. Non, c'est juste. Depuis que tu parles de teint noir. Peut-être que c'est ça qui continue là. Non, le teint noir, tu sais qu'il y a un chignon. Il y a un chignon tactique. Voilà, on va continuer. Soya Ebele, danseuse professionnelle, auteur, compositeur, chanteuse, elle était avec nous. Mm-hmm. Merci et bien des choses. Merci. Et tu voilà. Parles comme ça parce voilà. Que là, tu vas me montrer ce que tu sais faire. Oh là si là. Tu vas me montrer ce que tu sais faire. Tu savais bien que tu venais ici parce que tu es professionnel. Oh là là, quelle agression. Et si tu ne le fais pas, je vais comprendre. Voilà, ensemble, on est dans ton micro. Et toi, tu vas enlever le sien. Voilà. On va se retrouver demain à 17h50. Vous savez, le rendez-vous, il est là. Ne manquez surtout pas. Bien des bisous à toute l'équipe. Demain, un autre jour. Un peu plus de volume. Je ne sais pas comment il va danser ça, mais bon, je vais voir. Lui, il est habitué au mouvement. Vas-y alors.